Si, it's a question si for Dodo le petit là. À mon avis, it's no. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes mercredi, journée des enfants, mais moi cet après-midi je travaille. Il est très tard, hein. Il est 10h15, je vous prends tard. Je me suis levée ce matin, il était 7h30. Je me suis occupée de Raphaël, Maybe. Ils étaient très demandeurs, surtout un d'entre eux, je vous laisse deviner lequel. Et du coup, je déjeune très tard et j'avais faim. J'avais faim ce matin, donc je me suis fait un petit déj salé. Je vous montre ça tout de suite. Je me suis fait des œufs brouillés avec une tranche de cheddar que j'ai mis dedans. Bon, il y en avait trois. Là, il y en a trois tranches de petit bacon, comme ça. Et des pancakes version Weight Watcher. Voilà, à base de compote. Je vous en ai déjà parlé dans des vlogs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la recette, je vous la referai. Mais je l'ai déjà fait dans un vlog. J'essaierai de le retrouver, mais... Pardon, je rote. Il est loin. Il est loin, le vlog. Et il m'en reste un que je vais garder, du coup, pour mon 4 heures. Avec ça, j'accompagne un petit kiwi jaune, jus d'orange, du café... Double café même. Et c'est parti. Vincent a passé une nuit de merde. Moi je ne peux pas dire que j'ai passé une nuit de merde comparé à lui, parce qu'il s'est levé toute la nuit. Moi j'ai pris le relais que à partir de ce matin. Mais ça m'a réveillé quand même la nuit, quoi. Et franchement cette nuit il a été hard, hein. Parce que franchement je j'ai l'impression d'avoir été réveillé toutes les 2 heures. Je sais pas. Je sais pas, ce stage là. On va prendre rendez-vous au médecin là. Je vais regarder les dispos en ligne. Sinon, on appellera pour ces vaccins. Peut-être que le doc il nous en dira un peu plus. Peut-être des méthodes adaptées, parce que je trouve que c'est pas normal qu'à ce stage il boit autant. Puis il boit pas beaucoup en fait. Hein, en plus, il doit boire 90. Et là, par exemple, cette nuit, il a pris 3 fois 90. Bah, mais t'as pas essayé de mettre plus? Genre, il les tombe les 90? Bah, il faudrait essayer de mettre plus. Ouais. Très très beau, Maybe. Bravo, Maybe est en train de faire des mandalas. Essaye de faire plus, hein. Je vais mettre un coup gros bibi dès le début. Je te promets, là, tu lui mets un gros bibi. Bah oui. Je pensais que tu lui mettais un gros bibi, moi, à chaque fois. Moi, je l'aurais mis un gros bibi dès le début, comme ça, c'est le cas le plus longtemps. On essaiera ce soir. Ah là là, je vous jure. Bref, j'espère que vous allez bien. Du coup, je travaille cet après-midi. Il est 10h15. Dans une heure, je décolle. Vincent vient d'exploser sa tasse à café par terre. Je vous laisse. Et gougou, vous? Oh, je suis en voiture du coup, je vous reprends beaucoup plus tard. Ouah, ouah, ouah. Ce matin, je voulais faire ma séance de sport, j'étais mais déter. Pardon, pour la faire. Mais bon, Vincent s'est réveillé quand même assez tard, le temps que je prenne ma douche, etc. Ça aurait fait trop juste pour faire ma séance de sport. Hier, j'étais dans un mauvais mood par rapport à ça, parce que ça me frustrait de ne pas avoir calé de sport comme je voulais alors que j'étais en repos, etc. Faut que j'arrive à souffler et relativiser et de me dire que je fais comme je peux en fait. Je fais comme je peux. C'est pas l'envie qui manque, en plus c'est ça qui me gonfle. C'est vraiment pas l'envie qui manque, mais bon. J'ai laissé Vincent dormir ce matin, il s'est énormément levé hier, donc dans la nuit, donc voilà, je l'ai laissé dormir. Et puis moi du coup après, le temps de prendre ma douche, etc., je vous dis, ça aurait fait trop juste. Je vais pas courir parce que j'ai mon sport à faire. Encore quand je suis du soir et que j'ai pas les enfants, mais là on est mercredi. Voilà. Donc du coup je suis au boulot, il est midi 8, je prends à 13h, hein. Vous savez moi j'arrive toujours très tôt quand je suis du soir, parce que sinon j'ai pas de place pour me garer. Donc j'attends sur mon petit parking du soir, gentiment gagnant. Demain du coup on est jeudi, c'est mon dernier jour du soir et après je suis en week-end de 3 jours, ce qui va faire fortement du bien. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous parle de ça. Oui, du coup demain matin j'aurai pas les enfants, donc demain matin je vais me caler une séance de sport. J'espère que j'aurai moins de courbatures qu'aujourd'hui, mais normalement 2 jours après c'est toujours le pire. Parce que là j'ai des courbatures de la pole, mais de fou. Donc voilà. Hein. Si je vois que j'ai encore trop de courbatures et que ça me fait vraiment mal,
Bah je courrai, je ferai un petit peu de running sur le tapis, ça me fera pas de mal non plus. Donc voilà. Et puis vendredi, je suis en repos. Faut que je regarde d'ailleurs, je vais le faire là, vite fait. Quand est-ce que le doc il a de la place pour prendre Raphaël pour les vaccins? Et puis voilà. Pour tout ça, vendredi soir, je mange avec une pote. Je mange avec ma pote maintenant. Ça fait peut-être, sans vous mentir, 2 mois qu'on a prévu de faire un repas. À chaque fois, il y avait quelque chose. Donc là, pour le moment, je croise les doigts, il n'y a rien. Parce qu'à chaque fois qu'on a organisé un truc toutes les deux, il y a toujours une couillasse. Voilà. On se fait un restaurant entre copines. Et vu que je ne travaille pas samedi, je suis pas pressée par le temps. Donc voilà. Ça va me faire du bien. J'ai besoin de sortir un peu de la maison, de me retrouver avec ma pote. Voilà, ça va vraiment me faire du bien. Donc voilà pour tout ça. Et puis ce week-end, dimanche, on monte dans la famille à Vincent. Je pourrais pas vous filmer dimanche parce que bah déjà de son côté là, je me vois pas filmer. Voilà, c'est plus pour profiter. C'est pas un côté où je peux filmer beaucoup de prises. Donc pas que je sois gênée, mais je reste dans sa famille. Donc voilà, je vous partage beaucoup de choses, mais il y a certaines choses que je peux pas non plus trop vous partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et samedi, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, on verra bien. Je voudrais bien profiter un peu de notre famille samedi. Donc je sais pas du tout ce qu'on va faire. On verra pour tout ça. Ce soir, je rentre. J'espère que je vais pas galérer parce que du coup, je suis toute seule ce soir. Donc, comme ASH, on n'est pas deux. Donc, je vais galérer. J'espère que ouais, je vais pas rentrer trop tard parce que j'ai vraiment du montage à faire. Donc, voilà. J'ai pas du tout faim. Normalement, là, à cette heure, je mange ma gamelle. Mais là, j'ai vraiment, vraiment pas faim. Donc, je vais quand même la manger. Parce que c'est un coup à ce que vers 2h, 2h30, j'ai faim. Et c'est nul. Donc, je vais manger là. Comme ça, même si j'ai pas très faim, bah, je mangerai ce que je peux. Et puis, comme ça, ça m'évitera de grignoter dans la journée. Donc voilà. Voilà. Ouais, j'espère que vous, ça va. Et puis, voilà. Notre journée qui commence. Du coup, je vous montre. Attendez, je vais peut-être vous enlever mon écharpe. Le siège à la ninouche. Vous voyez, il est tout fin. Alors vous allez vous dire, waouh, mais tu la mets devant? Bah oui, parce qu'attendez, je sais pas si je peux bien vous faire voir l'arrière. Mais là, du coup, il y a le siège à Mavy. C'est un joie qui fait bouclier. Et là, du coup, bah, il y a le siège à Raph. Et vous voyez, c'est pas les vraies places, moi, que j'ai derrière. Je suis désolée, je crois que je parle fort auprès du haut-parleur. Donc voilà, il est comme ça. Vous avez plusieurs coloris, tout noir. Ou moi, j'ai pris gris et noir, du coup. Donc voilà, et vous voyez, je sais pas si vous voyez au niveau de l'assise, mais il est vraiment, vraiment pas large. Et du coup, dans la voiture à Vincent, bah, 3 sièges auto passent. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait. Ah, au pire, samedi, on aurait pu aller acheter son siège auto à Raph. Je sais pas, je vais voir avec Vincent. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et puis là, vous voyez, vous avez le truc pour protéger, du coup. Hein. Donc voilà. Oui, ça fait comme ça en fait. Vous avez un harnais là aussi. En fait, là, elle a un harnais qui la protège. Donc voilà. De toute façon, ma voiture, moi. C'est la deuxième voiture, hein, c'est une voiture d'appoint. C'est très très rare que je me balade moi avec les trois quelque part, hein, sans Vincent. Donc généralement j'en ai un ou deux. Oh, bah, voilà, j'ai mis la sécurité qui s'est mise en place. Ou alors on prend la voiture à Vincent quand on se déplace, la voiture familiale c'est celle de Vincent. Donc voilà, moi, elle me va bien la mienne. D'ailleurs je voulais regarder combien de bornes elle a. Parce que... Ah, 107 000 ça y est. Quand je l'ai prise elle avait 90 000 bornes. 107 000 en 2 ans. Je me rends pas compte, en sachant que j'ai pratiquement pas roulé avec l'année dernière. Enfin, moins. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que je la revendrai celle-là. Ça me fait suer parce que je suis la deuxième conductrice de cette voiture. Elle est vraiment récente et voilà, je l'aime bien. Mais on dit toujours que pour pas trop perdre, faut revendre quand même assez rapidement. Donc, je sais pas. Après, je l'aime bien, elle a pas de problème. Donc, midi 14. Dans une minute, le parking du soir ouvre. Haha. Bon, je viens de rentrer. Regardez-moi ce qu'il m'a fait, le chef. Petite ratatouille maison. Steak haché maison. Et un petit peu de riz. Ça a l'air trop... Le riz maison aussi. Trop bon. De quoi? Le riz, je passe tout. Pourquoi? Bon, on va voir, mais ça a l'air magnifiquement bon. Tu t'es fait un sacré steak, mon petit. Ah, mais il en restait un peu plus de viande. Mais t'as eu raison d'en faire un peu petit. Mais ça a l'air trop trop bon. Bon, je vais manger. Je vais me mettre après sur le montage. En même temps qu'on regarde la télé. Parce que là, j'ai du taf sur YouTube. Et puis, je vous raconterai demain. Parce que là, je suis fatiguée. Mais je vous raconterai demain. J'ai eu une péripétie au taf aujourd'hui. Oh my god. Bref, je vous raconte demain.
Allez, on va manger. Bisous. Elle a pas calmé? Bon, franchement, en vrai, j'apprivoise la bête, mais je peux pas trop vous en parler encore parce que bah, je le connais pas assez. Voilà, c'est plus Vincent qui l'utilise tous les jours. Là, cette semaine, il a utilisé vraiment tous les jours. On a lavé peut-être 3-4 fois avec. Allez, une, deux, ouais, trois fois avec, entièrement à la maison. Et du coup, c'est la première fois là, que je vidais, qu'on vidait tous les deux le réservoir. Donc, pour voir quand même qu'on a une surface habitable de 130 mètres carrés, il est passé 3 fois et on le vide au bout de 3 fois le bac sale. Donc, rien à dire. La serpillière, on n'a pas besoin de la laver. Faut la laver tous les 10-15 jours et la changer tous les 2 à 6 mois. Donc, on a le temps. Elle se lave toute seule en fait. Je vous dis, cet aspirateur, il est ouf. Mais pareil, je vous ferai une grosse revue. Je vous le redis, c'est mes PPS qui ont payé cette chose. Hein. Je n'ai pas été sponsorisé ni rien. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment vous dire un avis vraiment totalement transparent pour le prix du truc. Parce que ça fait très longtemps qu'il me faisait l'œil. Donc, est-ce que je regrette, est-ce que je ne regrette pas? Suspense. Du coup, je suis en train de déjeuner. Je me fais mon café, je bois un verre jus d'orange et je vais manger un kiwi. Ah, il y a Vincent qui m'appelle. Il m'appelle toujours quand je vous prends. Il ne veut pas. Il sait que je le trompe avec vous, c'est pour ça. Oui, mec. Bon, je suis un peu de travers. Je suis en train, du coup, de déjeuner. Donc, j'ai, comme d'hab, un petit verre de jus de fruits. Mon petit kiwi. Mon petit kiwi et mon café. Et il me restait un pancake, ce que j'avais emmené à la base, que j'ai fait hier, vous savez, les packing slides. Que j'avais emmené à la base pour le 4 heures d'hier, mais au boulot, impossible de goûter hier. J'ai pas eu énormément de travail, pour voir que j'étais toute seule, j'ai connu largement pire, mais j'ai pas pris le temps de me poser, voilà. Mais c'est pas grave, parce que du coup, ça m'a permis de... 2% de batterie. Ça m'a permis de ne pas craquer, parce qu'il y avait un bal de chocolat dans la tisanerie, et je crois qu'il y avait une galette. Je suis pas sûre. Quand j'ai rangé, j'ai vu qu'il y avait plein de miettes version un peu galette, donc je me suis dit, hein, voilà, donc, je vais manger et je vais mettre sur mon montage au YouTube un petit peu et je vais faire ma séance de sport. J'appréhende, mais bon, voilà, faut bien s'y mettre. Et puis après, dans la voiture tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé au taf hier. Vous allez voir, c'est rien de fou, mais je vous expliquerai. Parce que du coup, ça va engendrer des choses que je vais devoir vous dire sur YouTube, donc voilà. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Bob. On l'a appelé Bob, hein. Je vous ai dit, hein, je vous ferai une revue avec un avis 100% honnête, comme ça, bref. Je l'ai mis en mode j'aspire partout, mais il fait d'abord la pièce à vivre et le temps qu'il fasse la pièce à vivre et qu'il vienne ici, j'ai un peu de temps parce qu'il faut tout que je monte dans la chambre des filles et tout. Bref, je vais chercher ce petit didou. Coucou les didou qui fait les coups, didou, didou, didou. Ça va mon amour? Attendez, je mets un petit peu de lumière. J'espère que vous, ça va. Je suis en train de ranger, je suis en repos aujourd'hui. Et je travaille ce week-end, mais je vous expliquerai mieux tout ça tout à l'heure. Normalement, je n'aurais pas dû travailler, mais je vous expliquerai tout ça. Je suis juste en train, parce que Vincent, il a un rendez-vous de chantier, il a une nouvelle cliente à aller voir. Et il faut qu'il passe à Décathlon. Attendez, je vous mets là. J'espère qu'on me voit bien. Et je mets le retour. Bien sûr, mon doute, j'arrive. Et du coup, je suis en train de regarder dans mon armoire... J'ai un carton de sport qui m'attend. Et en fait. Ah, attendez. Oh putain, c'est bon. Avec mes haltères et tout ce que je prenais quand je faisais du sport. Et il manque des trucs parce que je vais suivre un programme sportif à partir de lundi. C'est le Alexa Challenge. Bref, je vous en reparlerai pareil.
Mais du coup, je voulais voir ce que j'avais. On va regarder tout ça ensemble. I am survivor, I'm a leader. Ouais, c'est moi les gars. Oh, les petites pommes pour la piscine. Ah, mais en fait, j'ai trop de trucs. Putain, il faut pas que je lui fasse acheter n'importe quoi. Donc, j'ai ma corde à sauter. Ah, mais j'en ai un. De combien? Oh là là, c'est lourd. De combien? Ah, mais de 4 kilos. Je vais voir s'il peut pas m'en trouver un de 2 kilos. Et j'ai un élastique. J'ai déjà un élastique de 15 kilos. Il m'en faudrait peut-être un élastique plus large. J'ai des poids, donc ça c'est bon. Celui-là, il c'est des poids de combien? 2-3 kilos. Je sais plus combien il faut pour le programme. Et là, c'est des poids de 1 kilo. Il faudrait des 2 kilos, je crois. Tout ce que j'ai pas. Je vais regarder ce qu'il faut et je vais envoyer un message à Vincent pour lui dire de bien me prendre. Ouh là là, je suis courbaturée de des trucs. Oui, oui, quoi. C'est le petit Didou qui est réveillé. Il passe la journée avec sa maman d'amour, ce doudé. Oui. Allez, j'espère que vous, ça va. Du coup, aujourd'hui, rangement, ménage, tout ça. Sport. Montage. Je vais monter le gros montage de tout ça en maillot. Et après, j'enchaînerai avec le montage du vlog, là, où j'ai un peu de retard. Mais bon. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau, ce petit. Il est beau, mon fils. C'est le plus beau des fils. C'est le plus beau, mon tété, tu sais. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es beau. Oui, oui, Moi, j'ai mis ça. Et puis ce soir, je vais au resto avec ma pote Manon, donc trop hâte. Voilà. Donc je vous embarque avec moi aujourd'hui. Puis voilà, et puis je vous expliquerai pour le taf. Tout à l'heure, ce qui s'est passé. Et vive Vinted. Ah tiens, faut que je donne ça à maman. C'est Gugus, c'est son tambour. Hein. Ah. Fais gaffe, je filme, dis pas des choses cochonnes. Je me choquerai. Je leur montre que je vais me décrasser. C'est quand même honteux, hein, tout ce qu'il y avait sur ce tapis. Tu veux te décrasser à la douche? Ah. Tu veux te décrasser à la douche? Oui, bah écoute, faut savoir ce qu'on veut. En même temps, qui se fait bonne pour faire du sport? Perso, pas moi. Allez, j'enfile les chaussures. Ah bon? Tu mets des chaussures pour faire ton sport, maman? Bah oui, je vais courir. Je fais pas du sport, je fais du tapis. Franchement, j'ai pas du tout la motive, je vous le dis. J'ai pas du tout l'envie d'avoir envie. Mais c'est pour vous motiver, vous aussi, quand vous êtes en mode flemme, de vous bouger. Parce que si on fait rien tout le temps, quand il faut se mettre à faire du sport, bah... On n'a rien sans rien. J'ai pas du tout envie. Mais je sais qu'une fois que j'aurai fait ma séance, je serai trop contente. Donc, j'enfile mes chaussures de running. Hop là. C'est des vrais en plus. Parce que quand je courais beaucoup, je m'étais acheté des vraies chaussures de running. Genre, j'ai couru dans le magasin pour voir la foulée, etc. Oui. Allez, c'est parti. Go. Je l'ai fait. 4 km 473. Yeah, 40 000 minutes. Alors, j'ai fait bien 10 minutes. Ouais, j'ai dû faire aller entre 5 et 8 minutes de marche rapide. Et après, je me suis lancée. Je voulais absolument dépasser 3,5 km parce que la dernière fois que j'avais couru, c'était ça. Et chose faite, 4 km 473. Et encore, je voulais aller jusqu'au 5. J'étais déterre à la fin. Mais là, je suis grave à la peau. Il est 18h15. J'ai un quart d'heure pour me préparer. Donc, je vais prendre ma douche, je me prépare et puis je me casse. Donc, voilà. Je vous emmène avec moi. Oh là là là. Là, autant dire que je peux essorer la tignasse, il y a de l'huile qui sort. De quoi? Deux secondes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poser là pour blablater 2 minutes 30. Je vous ai pas repris depuis hier, en fait, où je vous expliquais que j'allais vous expliquer par rapport au travail. En fait, un problème, c'est que je vais pas me mettre là parce que Mélie est en train de regarder un truc à la télé et j'ai peur de me taper des droits d'auteur avec son truc.
Je vais préparer le bain à Raph, au pire, et en même temps, je vais vous prendre avec moi. Pour clôturer le vlog. Waouh, super. J'ai fait des vlogs sur pas mal de jours, hein, mais bon, je voulais pas cacher. Je filme quand j'ai quelque chose à vous dire ou quand voilà, je me force pas. Et là, en l'occurrence, j'avais pas grand chose à vous dire, donc je vais pas me forcer à vous dire quelque chose. Hein. Il y a eu pas mal de trucs qui sont passés de notre côté. Alors déjà, hier après-midi, je vous ai dit que j'allais vous expliquer par rapport au travail. Donc je vais vous expliquer ce qu'il en est. En fait, normalement, j'aurais pas dû travailler ce week-end. Vous savez, je travaille un week-end sur deux. Mais là, du coup, je vais aligner trois week-ends puisque j'ai ma petite Océane, du coup, vous savez, on travaille ensemble, qui est malade à la grippe. Et en fait, du coup, ça a été un peu compliqué. Ouh, pardon, pardon. Ouh là là, c'est quoi ce cirque dans les... Ouh là là, mon Dieu. Le cirque dans les chambres. Jeudi, j'avais tout rangé. C'était nickel. Vendredi, j'avais tout rangé. Donc, c'était hier. Il y a même... Oh là 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 là. Même ce truc de la guirlande, il est mort. Je suis fatiguée. Là, j'ai hâte qu'elles aillent au lit. Je crois que je vais même pas manger ce soir. Et je vais aller au lit direct. Je suis super fatiguée. Je suis rentrée tard hier. Enfin, attends, je vous réexplique. Donc, du coup, Océane est malade. Et en gros, du coup, j'ai pris son week-end. Chose qui n'aurait pas dû m'arranger à la base puisque j'avais 3 jours de repos, donc vendredi, samedi, dimanche. Sauf qu'en fait, vu que je travaille samedi, dimanche, j'ai mon lundi, mardi de repos. Et en fait, la semaine prochaine, j'avais mardi, mercredi de repos. Donc j'aligne 4 jours. Et vu que la 4, du coup, elle a voulu me récompenser, elle m'a donné du coup mon vendredi aussi. Donc, me récompenser, non, elle, c'est donnant, donnant. Elle m'a dit, il y a possibilité de vous poser un vendredi si vous le voulez aussi. Du coup, la semaine prochaine, ça me fait 5 jours. Donc, je travaille tout le week-end. Chose qui ne m'arrange pas du tout puisque demain, on a un repas de famille dans la famille à Vincent. Et ça craint en fait que j'accepte un week-end alors que j'ai un repas de famille. Mais j'ai vu mes intérêts pour après. Et puis, sans parler que j'ai des projets avec d'évolution au sein de là où je suis et du coup je peux pas me permettre de d'avoir une mauvaise image ou une mauvaise appréciation entre guillemets et du coup bah voilà j'ai accepté qu'est-ce que tu fais mon Didi tout j'ai accepté du coup cet échange. Bon du coup je me pose là 5 minutes parce que du coup j'ai jamais réussi à finir de parler. À chaque fois je pose des yeux quelque part, je fais quelque chose et j'arrive pas à terminer. Donc du coup bref, du coup j'ai fait mon je suis du matin. Donc je suis fatiguée, hein, qui du matin dit fatiguée. Mais après voilà, je suis en repos, donc voilà. Vous voyez, c'était pas quelque chose de ouf. Mais fallait que je vous explique pourquoi je vlogue pas trop et que voilà, c'est un peu compliqué du coup. Alors que j'avais dit que ce week-end j'arriverais à clôturer du coup la vidéo de tous en maillot. Je voulais sortir la vidéo sur Rafiki Life, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Ma vidéo 2023, pareil, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et j'ai pas eu le temps du coup de clôturer aussi le concours et le montage du concours. Voilà. Par contre, ce que je vais faire ce soir, c'est je vais faire sûrement le tirage au sort. Voilà, je pense. Bien sûr, je vous filmerai ça. Donc voilà. Pour tout ça, vendredi soir, donc du coup, j'étais au resto avec ma pote Manon. Elle m'a fait une surprise, en fait, elle a réservé un resto, je ne savais pas du tout où on allait. On a fait un espèce de gastro, enfin semi-gastro. On a eu pour 36€ le menu, entrée, plat, dessert, c'était hyper bon. Je vous invite à aller voir mon Instagram, j'ai mis des petites photos, c'est très rare que je le fais, mais c'était vraiment trop beau, trop bien présenté, trop bon. J'ai pris des espèces de petits makis au saumon en entrée. J'avais pris une truffade revisitée un peu en plat, que je n'ai pas terminée. Et en dessert, j'avais pris un truc à base d'ananas. Un espèce de biscuit avec de l'ananas, c'était vraiment très 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 bon. Bref, voilà. Et du coup vendredi après-midi j'ai beaucoup travaillé sur YouTube et je me suis occupée aussi de mon fils, hein, voilà, et de ma famille quand ils sont arrivés et tout, parce que vous savez on vous montre une fraction de seconde de nos vies, mais par exemple aujourd'hui là je vous montre ça, mais quand je suis rentrée il était 14h30, les enfants venaient tout juste de se réveiller de la sieste. Du coup il y avait ma soeur qui était à la maison, donc du coup j'ai profité de ma soeur, j'ai joué parce qu'en fait ma soeur elle est venue dormir à la maison. Ah là 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 là, je vous jure, en fait ma soeur elle est venue dormir à la maison parce que du coup ce matin, en fait c'est vraiment un week-end où ça arrangeait pas personne que je travaille, hein. Ce matin Maëlie elle avait gym et donc du coup il fallait qu'elle vienne garder Léonie et Raph
pour que Vincent puisse aller à la gym avec Maëvie en fait. Donc du coup ma soeur est venue dormir la veille. Ah, je m'assois. Je vais peut-être baisser un peu parce que ma soeur est venue donc du coup la veille redormir, enfin dormir à la maison pour pouvoir me garder les enfants. Et du coup quand je suis rentrée, elle est encore là. Donc j'ai profité un peu d'elle. Après on a joué à tic-tac-boom avec les enfants. On a joué au Playmobil. Et puis là-bas, vous voyez, c'est l'heure un peu fatidique pour enchaîner avec les bains et tout. Léo il est déjà douché et je vais faire Raph. Et Maëvie est sur le canapé, elle est pas bien, elle a un petit 38,7, elle est vraiment pas dans le dans un bon mood. J'espère qu'elle me couvre rien de grave. Donc voilà. Et hier soir, avant, je sais pas si tu crois qu'Alan, mais hier soir du coup avant d'aller au resto, j'ai bossé sur YouTube comme je vous disais, j'ai profité de mon fils et je me suis fait violence et j'ai fait mon sport. Voilà. Mais ça vous allez le voir du coup dans les images. Qu'il y aura juste avant et puis voilà pour tout ça. Donc j'espère que vous avez passé quand même une espèce de bonne semaine avec moi parce que je crois que je vlogue depuis mercredi donc c'est un long vlog hein. Mais j'espère que voilà, je ne vous filmerai pas demain parce qu'on est en famille donc voilà. Et la semaine prochaine je sais pas, je vais vlogger hein, ça c'est sûr, mais je vais privilégier entre guillemets mes montages de face cam et pas prendre trop de retard. Donc je ne sais pas si je vloguerai beaucoup la semaine prochaine, je vais vloguer c'est sûr, mais je vais essayer de vous sortir d'abord les vidéos que j'ai à sortir avant de prendre du retard et de vloguer, et où est-ce que je veux dire. Donc voilà, YouTube c'est ma passion, j'adore ça et ça me frustre tellement quand j'arrive pas à sortir et faire le contenu que j'ai envie de vous proposer en temps et en heure, mais bon, c'est comme ça, j'ai une vie active, en plus je travaille dans le milieu médical, donc c'est vraiment pas simple avec mes horaires de caler tout ça. Et puis voilà. Je vous mettrai des images par-ci par-là du resto si ça vous dit. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Je pense à vous hein. Ciao. Chez nous, écoutez monsieur, calmez-vous parce que comme nous sommes arrivés ici il y a 15 jours, on a eu le même problème et on n'a pas fait tant d'histoire. Si vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds, ça vous regarde. Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet.